Tu me fais un point sur les... Les soies? Oui. Ça, ça me rappelle... tu sais quoi? Vas-y. Oui, ça doit bien dater d'il y a 25 ans. Je vais vous faire une super soie. Ah, et bon, puis, c'est bon. Au bout de 6 mois, tu me dis, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu l'avais monté à l'envers. Mais j'y arrivais quand même. D'ailleurs, on va refaire le montage. Ouais, je vais te refaire. Ouais. Les soies. Oui, tu veux voir pourquoi une diversité de soies comme ça, quoi. Voilà. Alors, déjà, par exemple, je vais te prendre une Coach. Je vais te prendre la Royale. La nouvelle Flat Class, la T56, l'Hardcast. Bon, après, c'est toutes les soies. Je vais te faire voir ça. Voilà. Alors, tiens. Alors, c'est sûr que les soies, on est souvent perdu. Donc là, tu as six sortes. Oui. Donc, en fait. Je veux dire que c'est un peu comme les cannes, hein, aussi. Alors, tu as des soies avec des rapports qualité-prix, comme la Coach, mais ça, c'est une soie vraiment très, très bonne. C'est celle qu'on se sert quand on pêche en eau rapide. Oui, c'est une P6. Une DT3. Donc, en fait, une soie, c'est en fait des âmes qui sont à l'intérieur, et là-dessus, ça passe sur des machines qui enduisent dessus des matières un peu PVC, quoi. Donc, toutes les qualités de lame qui est à l'intérieur, une, et deux, après, la qualité du produit que tu vas mettre dessus. Et du revêtement encore, si tu mets des traitements par-dessus en plus. Alors, tu as des soies, des fois, qui font un peu la queue de cochon, qui ont de la mémoire. C'est souvent parce que la qualité de lame, d'abord, n'est pas bonne. Donc, tu prends il y en a qui mettent des âmes, on va dire, en nylon. Donc, le nylon... par température basse, ça prend plus le froid. Ou des âmes en nylon, mais on va dire tressées, tissées tout le long. Donc là, c'est pareil, ça peut avoir des conséquences. Là, c'est que des soies qui ont des âmes en textile. Donc c'est des textiles qui ne prennent pas l'eau, qui sont vraiment hydrophobes. Là-dessus, en plus ça, le polymère, enfin tout ce qui est matière qui vient dessus, c'est vraiment quelque chose qui accroche mieux. Donc oui. Ça se dénude pas moins. Et puis ceux qui veulent percer les soies, ils peuvent percer les soies. Parce qu'avec un nylon, tu peux pas. Tu peux pas, oui. Voilà. Donc après, tu as des soies, par exemple, aussi, qui ont des boucles au bout. Moi, je suis contre parce qu'en fait, le meilleur accord qui existe, c'est celui que je t'avais fait voir. Ouais, je te le referai voir. Hein. Mais en fait, c'est vraiment le raccord qui emprisonne vraiment la soie dedans, qui passe très bien dans les anneaux, que tu peux changer très rapidement au bord de l'eau, en plus, quand tu veux changer de baligne, et qui est bien dans le prolongement. Donc, il ne faut pas s'embêter avec ça. Après, tu as des chaussettes, on veut dire, qu'on peut mettre aussi. Oui. Mais moi, je préfère... avoir des soies qui n'ont pas de boucle au bout. D'accord ? De toute façon, moi, si j'en ai une, je la coupe, la boucle. Donc, tu vois, tu as les coachs, donc, comme je te dis, super rapport qualité-prix, hein. Mais vraiment qui est assez exceptionnel. Après, c'est les glisses qui vont augmenter. Donc, tu as la Fly Class. Bon, déjà, c'est un peu la base d'une coach. Simplement que la différence, elle est orange fluo. Qui est en fait un coloris qui est très bien déjà pour pêcher par exemple en petite rivière. Oui. Parce que tu vois bien ton passage de soie et même sur l'eau dans les veines d'eau. Et on augmente déjà un peu la glisse par des produits qui sont rajoutés dessus, qui donnent encore un peu plus de glisse. Après, tu as les trois soies qui sont un petit peu similaires. Hein. C'est-à-dire que tu as la Royal, la T56 et la Hardcast. Ça, c'est trois soies qui ont la même âme, d'accord ? Qui ont le même polymère et qui, en plus de ça, sont téflonnées. Donc, téflonnées, c'est un apprêt qui vient par-dessus, qui est même aussi un peu incorporé dans le polymère. Oui. Et en fait, ça fait pour que l'eau n'imprègne pas du tout la soie. Et dès que tu arraches ta soie de l'eau, ça se sépare. C'est-à-dire que tu n'as pas, un petit voile d'eau qui reste dessus. Ok. Oui. Donc, on est pour le moment que sur les composants. Et après, la Hardcast, c'est une soie, comme tu peux
Ah, je crois que j'avais mis le dessin là. Là-dessus, sur Arcas, tu as une micro-cannelure, tout long. C'est-à-dire que je pensais que j'avais mis le dessin, mais je vais te faire voir. Normalement, une soie, quand tu la coupes en travers, elle est ronde comme ça. Là, je vais grossir le schéma, mais en fait, elle est micro-annelée comme ça, tout du long. Donc en fait, tu as beaucoup moins de friction sur les anneaux. Plus, tu emmagasines de l'air dans toutes les micro-cannelures. Oui. Et c'est une soie, quand tu la prends en main, tu la prends comme ça en main, et en fait, quand tu la fais tourner dans tes doigts, juste comme ça, tu sens des cannelures. Ah oui. T'as vu? Oui. Comme ça, elle est lisse, et quand tu la fais rouler dans tes doigts, tu sens les cannelures. Oui. Donc en fait, c'est une soie qui prend beaucoup plus de vitesse, et qui emmagasine de l'air quand elle est posée. Alors, une fois que tu as vu ce système de coating, on appelle ça du coating, hein, en fait, tout ce qui est, on va dire, la royale, tout ce qui est royale, tout ce qui est, on va dire, T56 et Hardcast, elles ont toutes le système NWR, qui est en fait ce système de nano water répulsif. Enfin, répulsion, en fait, on dit, et qui est le téflonnage. Donc la hardcast avec toutes ces étoiles autour. En plus. D'accord. Donc là, on va dire qu'on a un profil DT pour la coach. Donc le profil DT, c'est un fuseau parallèle complet, sauf les deux extrémités qui s'affinent de chaque côté. Ok. D'accord. Oui. Donc c'est un profil qui est souvent utilisé uniquement pour la sèche. On pêche rarement en nymphe parce qu'on a moins de poids sur l'avant. Donc après tu as le WF, donc WF classique. Donc WF classique, tu le vois sur schéma. Donc le DT, on est d'accord, c'est parallèle. Et le WF, donc c'est tout un poids qui est décalé par l'avant, toujours avec une pointe qui s'affine bien entendu. Bien sûr, oui. Et le plus fin possible qu'on essaye de faire. Après, tu as la Fly Class qui est un WFX. Donc, en fait, dans tous les profils WF, WFX, WFT, WFT pour la T56 aussi, et WFT pour la Hardcast, c'est tout simplement, on change un tout petit peu la répartition de poids sur l'avant pour avoir le maximum d'énergie. D'accord ? Donc, en fait, là, on a une pointe en WFX, comme tu vois sur le schéma, qui est beaucoup plus longue, et la WFT, qui est sur les trois soies, on va dire, royales des T56 et Hardcast, on a un fuseau central, on va dire, un peu plus long. Oui, moins. D'accord, d'accord, ouais. Donc, on concentre encore un peu plus d'énergie dessus. Ensuite, comment, pour le numéro d'une soie, on va dire, une soie, par exemple, admettons que celle-là, elle fasse au total 35 grammes, on va dire, tout le poids, pour savoir le numéro d'une soie, est réparti sur les 11 mètres. Sur ces fameux 11 mètres. Voilà. Oui. Donc, en fait, c'est là qu'on fait le grammage. Le reste, oui. Exactement, reste dans le moulinet, ou c'est là qu'on va, on va dire, mettre un numéro de soie au-dessus ou en dessous, en fonction si on pêche loin ou court. Ou court. Donc, quelqu'un qui pêche loin sur une canne de 4-5, donc qui est souvent à 12-13 mètres de soie dehors, plus son shoot, oui. Peut mettre une soie de 4. Oui. D'accord ? Et court, tu mets une soie de 5. Donc ça, ça dépend aussi du lanceur. Hein. Et après, ça dépend si, si on ne veut pas se tromper, on met toujours le numéro supérieur. Oui. Quand on veut un peu plus affiner, on met le numéro inférieur. Sauf quand tu veux faire polyvalence, sachet nymphe. Donc, il faut bien prendre le côté, si eux, c'est les revêtements qui font de la glisse. C'est des soies aujourd'hui, maintenant, qui craquent presque plus. On a vraiment des super polymères qui viennent dessus. Donc, on a des soies de plus en plus de qualité, quoi. Donc, et il reste celle-ci. Celle-là. Ouais. Alors ça, c'est la soie, on va dire, spécifique. On va dire qu'on a, on a deux gammes de soies réelles dedans. On a les soies réservoirs. Donc, c'est déjà pour la distance. Ça ne veut pas dire que là, on ne peut pas faire de la distance, hein. Mais c'est vraiment approprié pour la bonne distance. Donc, en fait, c'est des soies qui font d'ailleurs déjà 37 mètres.
Donc toi, on peut faire des grands shoots avec. Donc qui ont des running lines. Le running line, c'est la partie qui est derrière, la plus fine, celle qui est dans le moulinet, qui reste. Oui. Donc en fait, tu as plusieurs puissances de soie, bien entendu, les 6-7 et les 7-8, oui. Ce qui est le plus utilisé en réservoir. Et après, tu as les densités. Donc après, tu as les flottantes, les intermédiates, S3, S5 et des fois S7. D'accord ? Donc plus tu es en S7, plus tu vas plonger très rapidement. Oui. Pour les gens qui pêchent aux bobbies, en réservoir, dans des grandes profondeurs. Donc plus tu veux aller vite en bas, plus tu prends une soie S7, qui sont des soies très faciles à lancer d'ailleurs, parce que ça fuse vraiment très bien. Ah oui, c'est vraiment confortable. Donc c'est des soies qui sont aussi dans les mêmes qualités d'après, de polymère, que les Hardcast, les T56, les Royal. Ok, ah oui. Avec des fuseaux plus longs et des fuseaux travaillés, on va dire, en WFSH, donc shooting, on appelle ça un petit peu, pour en fait faire au moins de la distance confortablement. C'est du shoot qui compte, d'accord ? Et après, tu as les soies spéciales, on va dire, mer, carnassier. On va dire, on appelle ça les CM, qui sont des soies qui sont très décalées par l'avant, parce qu'en règle générale, c'est pour tracter des gros leurres. Donc, quand tu veux pêcher le carnassier, tu dois d'abord choisir ta puissance de canne et ta soie, donc, qui va avec, en fonction des leurres que tu pêches, pas du poisson que tu pêches. Non, du leurre. Du leurre. Ah, oui. Parce qu'en fait, la soie n'est qu'un propulseur, d'accord ? Sans la soie, tu ne peux pas propulser. Mmh. Donc, plus ton leurre est gros, plus il te faut une soie forte. Donc, si tu pêches avec un streamer à brochet, tiens, je vais t'en chercher un pour voir. Alors, léger. Toi, quand tu veux pêcher avec des leurres comme ça, avec une soie de 7-8, c'est déjà compliqué. C'est pas infaisable, c'est compliqué. Mmh. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à tracter fort pour arriver à le propulser. Alors quand tu auras, on va dire, 12 mètres de soie dehors, tu vas commencer à y arriver. Mais au début, quand tu ramènes jusqu'au bord, il faut vraiment une soie qui va te permettre d'emmener. Donc, il vaut mieux une 9 pieds, soit de 9-10. Oui. Et là, tu as une soie de 10 qui va tracter ça très facilement. Si tu pêches avec des plus petits streamers à brochet ou tu pêches avec des petits poppers, des blocs de basse, des trucs comme ça, là tu mets en 7-8. Donc c'est vraiment faire attention, je pêche avec quoi ? Donc c'est des gros leurres. Donc si c'est des gros leurres comme ça, c'est une 9 pieds soit de 9-10. La soie qui est appropriée avec le poids vraiment décalé sur l'avant, qui est vraiment un vrai tracteur. Et là ça sera confortable. Après, la seule chose qui peut changer, bien entendu, si tu vas pêcher un jour le tarpon, ben, si tu sais que c'est des tarpons de 50 à 100 kg, par exemple, là, il faut une soie de 12, au moins pour arriver. C'est pas parce que le leurre sera gros, mais parce que tu auras quand même un poisson combatif, très combatif. Oui, ouais. Mais en règle générale, c'est d'abord que le leurre qui va primer, donc... Pour des poissons, on va dire, jusqu'à 20-30 kilos, une soie de 9-10, c'est une canne de cette puissance-là, c'est complètement adapté. Oui. Hein? Donc nous, en régional, quand on pêche le tarpon, j'ai une soie de 9-10. Et si c'est une période où il y a vraiment des gros tarpons, là j'ai une soie de 12 pour arriver à plus combattre, on va dire. Parce qu'on est déjà un peu ridicule avec ce genre de matériel. Mmh. Mais sur des permites, par exemple, un permite, c'est un poisson qu'on pourrait prendre, qu'on pêche avec un crabe. En fait, le crabe, il est relativement lourd, tu vois. Donc, en fait, il faut au moins une soie de 8 pour vraiment tracter comme il faut. Voire 8, 9, tu vois. Et une 10, c'est pas ridicule avec. Plus ton leurre est volatile, plus il va prendre l'air. Donc, il va se freiner, mais en fait, c'est nécessaire. C'est un peu comme une nymphe. Si tu pêches avec une nymphe, avec une bille de 4-6, tu peux plus la contrôler. Tandis qu'une mouche en hameçon de 10, elle a du poil, elle se freine, et elle répercute bien l'énergie, et en plus de ça, elle va se poser comme il faut. Et tu peux pêcher à grande distance. Exactement. Ouais. Donc, on va être toujours approprier la soie, la puissance de la canne et la soie en fonction du leurre. Du leurre. Après, éventuellement, la puissance du poisson. Donc, tu comprends un peu mieux maintenant comment ça Parfait. Peut fonctionner, quoi. Attends, je vais les ranger.
Ça te sort de la soie de 5, 4 ou 5 que tu pêches tout le temps, depuis des années. Et tu verras, le jour où tu viendras pêcher en mer, ça sera complètement... tu vas encore mieux comprendre le mécanisme. Quoi. Alors moi, j'ai fait la pagaille tout à l'heure.